Voilà. Donc là, c'est mieux. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas trop ce qui s'est passé, bah c'est beaucoup mieux. Donc au niveau du son, vous me direz si tout va bien. Voilà, donc nous sommes sur Victor Vran ce soir, de retour sur Victor Vran. Moi, je vais juste recharger ma fenêtre de stream. Je vais juste recharger la petite fenêtre. Hop, si elle veut. Alors c'est peut-être le plugin, parce que j'ai installé un nouveau plugin justement pour mettre de la musique en début de stream et notamment pour lorsque je passe en pause. J'ai l'impression que le plugin a un petit peu buggé et qu'il n'a pas vraiment fonctionné comme je le voulais. Bon, c'est pas très très grave. Ça va pas le faire. Enfin c'est pas ultra dérangeant. Donc voilà, donc sommes sur Victor Vran, nouvelle mise à jour qui a apporté pas mal de petites choses. On va voir ça un petit peu ensemble. Voilà, donc j'ai ouvert un petit peu le patch note. Donc la mise à jour d'aujourd'hui, qui est la troisième ou la quatrième, je ne suis pas certain, qui ajoute notamment le support de Mac et Linux, donc ça c'est une bonne chose, qui apporte des petites choses pour le mode histoire, donc les cinématiques, les voix, etc. etc. Même si c'est vrai qu'elles ont en fait, comme c'est écrit en anglais, elles ont été still in the work, les not present in the game. D'accord, donc en fait, il y a le mode histoire qui a été implémenté, mais les cinématiques et les voix n'ont pas encore été implémentées dans le jeu. Il y a le support de DirectX 9, deux nouvelles zones apparemment, un nouveau monstre, donc les vampires, un nouveau boss Apocalypse, un nouveau type d'arme, Mortar, et le level cap, enfin le level max, hein, qui a été fixé au level 20. Donc moi j'avais atteint déjà le level 15 qui était le level max dans la dernière mise à jour. Et là en fait, ça va passer au niveau 20, donc c'est une bonne chose. Après, il y a pas mal de petits changements, donc des. Pardon. Donc, les performances du jeu qui ont été améliorées. L'overdrive, la jauge d'overdrive qui a été retravaillée un petit peu. Le taux d'XP, de drop, de loot, machin, machin, les challenges, tout ça ont été un petit peu modifiés en multijoueur. Outfit, no jobs, anything, don't accumulate. J'ai pas trop suivi là. Added art for toutes les cartes de destinée, donc de nouveaux dessins pour les cartes de destinée. Le prix des armes qui était retravaillé, donc les armes de haut niveau sont un peu plus chères. Des nouveaux modèles pour tous les types d'armes. D'accord, donc les armes légendaires enfin la puissance des armes légendaires a été augmentée. Donc les icônes de buff et de debuff ont été coloriées afin d'indiquer vraiment. Voilà, pour bien différencier les effets négatifs et positifs. Le pouvoir de démon, le coût en pouvoir de démon a été augmenté. Les bombes et les potions ont été rendues plus efficaces. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent ce soir, nous sommes sur Victor Vran. On va tester un petit peu la nouvelle mise à jour qu'il y a eu, donc n'hésitez pas à être présent sur le chat, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on termine un petit peu le patch note. Donc les Lich Bombs, maintenant vous gratifient de points de santé en fonction du nombre d'ennemis tués en fait, d'accord. Les armes qui volent la vie des ennemis ont été augmentées. On peut changer plus facilement les contrôles à la souris ou à la manette. Fix and exit after weapon fight, ok. Ok, et puis après, c'est des bugs concernant certains aspects techniques. Donc, on va se relancer directement à la suite, donc à la manette. Hein. D'ailleurs, on se prend pas la tête. Alors, non, ça va, la souris n'est pas là, c'est cool. Donc, au niveau du son, si vous êtes là, dites-moi si tout va bien. Victor Vran vs Survivor after all this time. Donc, d'accord, donc là, en fait, la quête continue. Donc, je vais pouvoir prendre une nouvelle quête en fait. Là, on prend pas trop la tête. D'accord, ils ont ajouté des dialogues en fait. Ok. Donc là, apparemment, il faut que je continue par ici. Si je dis pas de bêtises. Par là-bas. Hop. Pourquoi pas ici. Et voilà. Donc là, il y a vraiment. Non, c'est ici. C'est ici, apparemment, la nouvelle zone. Ok. Pas mal de. Oula, je sais pas ce qu'il me fait là. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de zones encore que je n'ai pas visitées. Ok, là, je sais pas trop ce qui.
Ah d'accord, faut que je bouge à la souris. Donc voilà, donc là il y a pas mal de zones que je n'ai pas trop avancé. Parce que justement, je voulais pas trop me faire toutes les zones alors que j'avais atteint le level max. Parce que ça servait pas à grand-chose. Du coup, voilà, on va aller faire quelques zones que je n'ai pas, oh, bordel. Voilà, que je n'ai pas visitées. Comme ça va me permettre de récupérer quelques étoiles si je peux et de faire de l'XP. Donc Slime Monster X of Tenacity. C'est laquelle? Tenacity. Les monstres gagnent 120 en armure et en régénération, mais ça augmente aussi mon taux de régénération, enfin d'XP. Voilà. Alors, les secrets, tuer les champions, slay monster with demon power, ok. Slay Volkov with a site. Ok, donc on va équiper une site. Oui, donc là c'est direct le boss. Donc on va changer donc les sites, où est-ce qu'elles sont? Merde. Elles sont juste ici, donc on va essayer d'en prendre une qui a un peu d'armure. Donc celle-ci m'a l'air pas trop mal. Et on va la mettre en première position à la place de mon épée. Voilà, et je vais garder en deuxième arc, pardon. Donc j'ai pas. On essaie de tuer un maximum d'ennemis sans mourir. Oula, on évite, on évite, on évite. Apparemment, j'ai pas mal d'ennemis à buter. En utilisant les pouvoirs du démon, donc là j'en ai quelques-uns quand même. J'ai l'impression qu'il a du Life Leech, l'autre. Sanguinora. J'ai l'impression qu'il peut se régénérer en vie, en plus. Une petite potion pour se régénérer. Il y a vraiment beaucoup d'armure, celui-là. 320 en armure, c'est vrai qu'il prend. Ça ne prend pas trop cher. Il veut pas mourir, hein. Il voulait vraiment pas mourir celui-là. Donc j'ai récupéré en plus une petite rapière. Alors on va voir au niveau. Donc tuer. Voilà, donc tuer des monstres avec les pouvoirs du démon. Donc honnêtement, il va falloir que je les utilise à fond. Et tuer les monstres avec l'ex de Tenacity. Ok. Map et challenge. Alors moi, c'est vraiment les Volkov qu'il faut que je bute avec la scythe. Ok, en plus, il y a trois champions apparemment. Oula, on va essayer de se faire cela. Ouh! Ah, là je fais un peu nappe. Là je fais un petit peu nappe. On va rester avec ça. Pardon. J'ai la gorge, je sèche. Voilà, là on est bien, là on est bien. Ah, donc là j'en ai tué un nouveau. Voilà, on prend l'acide pour le terminer. Ce qui vient me faire mal. Lui il lâche des ennemis, donc on reprend la petite hache pour faire un petit peu de dégâts à tout le monde. À mon avis, le tuer tout le monde avec les pouvoirs du démon, je vais avoir un petit peu de mal. Je vais avoir un petit peu de mal à le finir. Ah, par contre, pour passer de l'autre côté, je sais pas trop où faut aller en fait. Je sais pas trop s'il y a. Ah voilà, ça doit être par ici en fait. D'accord. Tout le monde avec ça, avec la petite scie.
Voilà, ça fait du bien. On prend une petite potion tranquillement. Je l'ai vu. Oui. Oulala, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai complètement raté mon move là. Là, il m'a bien eu. Oui, en plus, il est pas mort, quoi. C'est bien classique, je peux le stun. Oula, là, j'ai eu chaud, en fait. La porte, elle m'a bloqué, mais j'ai quand même réussi à l'esquive. Ouh là, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Et viens finir, toi, viens finir. Voilà. Oula, quand il y a ça, faut esquive direct. Hop. T'as pas envie de prendre des points de vie bêtement. Ah oui, donc en plus il récupère de la vie, quoi. Voilà. Faut surtout faire ces deux-là. Voilà, on essaie de terminer tranquillement. J'ai fait assez mal avec ça. Et bonsoir encore une fois à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes sur Victor Vran ce soir. On va essayer de pas trop se prendre la tête. Alors, il y a un petit bug graphique avec ma site là. Je sais pas si vous le voyez. Et lui, il va m'énerver. Alors, je vais le faire et puis après, je vais terminer la chauve-souris là. J'ai réussi en plus à l'avoir, donc ça c'est cool. Une petite arme, un pouvoir, et on est bien. Un peu de régénération, la potion, ça va, j'en ai une vingtaine en plus. Par contre, je vais retourner faire un petit tour dans toute la zone, essayer de voir si j'ai pas découvert, enfin si j'ai pas des secrets à découvrir, si j'ai pas passé à côté de coffres ou de petits trucs cachés un petit peu. On va voir. J'ai pas l'impression, mais bon. Il vaut mieux peut-être juste faire un petit tour histoire de voir si j'ai rien oublié. Ok, non. J'ai rien oublié. Donc on va pouvoir partir au second étage. Apparemment, il y a un second étage. Donc on va y aller tranquillement. Là, par contre, peut-être changer d'arme au niveau. Voilà, merde. Merde, 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 merde. J'ai toujours un petit peu de mal à bien. Voilà, à bien gérer. Ah! Voilà, bien gérer. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà. J'ai toujours énormément de mal à bien me diriger dans les menus, sauf que c'est pas super bien précis à ce niveau-là, en fait, je trouve.
La télé. On va casser un peu tout ça, histoire de voir s'il n'y a pas des potions ou un petit peu d'argent. Ah là, ils m'ont repéré. Voilà, on fait mal à tout le monde. C'était pas là, j'aime beaucoup. Hop. L'ex de ténacité qui a fait un peu de bien. L'overdrive, bon, pas besoin pour le moment. On casse tout. Parce que là, on récupère, du coup, ça me permet de récupérer pas mal de potions. Oui, j'en avais une vingtaine, j'en ai déjà 35, donc c'est pas mal. Et en plus l'or, c'est pas négligeable. Là, il va avoir normalement un champion. Ah, j'ai pas assez d'overdrive. Je vais utiliser l'overdrive, je vais utiliser mon pouvoir. On a vu ce défi-là. Tu fais 40 ennemis avec l'overdrive, je le ferai une prochaine fois. Voilà. Est-ce qu'ils m'ont repéré? Bon là normalement ils m'ont repéré quand même. Allez. Ok, en plus là il y a un petit coffre, je l'ai repéré celui-là. Hop. Wow. Bien, j'ai pas trop mal géré là. J'ai pas trop mal géré. Je commence à avoir un petit peu de level. Alors. Oh là 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 là. Oh là là. On commence déjà par le boss, c'est pas évident. Ah oui, en plus ça me fait gagner de l'expérience. Hop, c'est pas négligeable. Et un petit peu d'or partout, donc c'est bien. Apparemment, il y a un ennemi qui a dû être bloqué par là-bas. Ouais, il était bloqué, c'est ça. Hop. Ah non. J'ai encore tout cassé. On finit tout ça. Oui, c'est vrai aussi que les mobs, c'est vrai qu'avec l'ex de Tenacity, ils sont beaucoup plus résistants. Donc je mets beaucoup plus de temps à les battre aussi. Et comme pour beaucoup sont des morts vivants, donc ça, ils peuvent se régénérer un petit peu aussi. Donc ce qui fait qu'au final, on perd beaucoup ça. On perd du temps, oui et non. Audrey Volkov, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Dimitri Volkov. Ah oui, ok, donc c'est les Volkov. Faut que je les bute avec la scie en fait. Alors je sais pas si. À mon avis là j'ai foiré parce que j'ai pas fait attention.
m'en fais mal. Allez. Je sais pas si j'ai buté la première, si j'avais buté classique. Je suis pas certain du tout. Donc là, vraiment, on va se la faire comme ça. Allez, allez, allez! Est-ce que j'ai réussi? J'ai l'impression d'avoir foiré, en fait. Save Volkov. Ah, ok, donc en fait, il faut les buter deux fois. Ok, donc là, j'ai réussi une fois. Ok. Ouais, du coup là j'ai l'animation qui par contre qui du coup qui s'est restée, qui s'est pas enlevée. Bon. Une animation dont l'attaque est classique. Je sais pas trop. Bah non, non, ça c'est un petit bug ça par contre. Ouais. Bon, c'est pas ultra gênant. Mais bon. En plus la première fois que ça me faisait ça, ça m'avait jamais fait ça avant. En fait j'ai raté en fait. D'accord, j'ai l'impression d'avoir foiré en fait. Là, en fait, j'ai tout nettoyé. Et j'ai pas eu. Merde. Et je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc, à mon avis, j'ai dû foirer là. Ouais. On reviendra à la faire. On va repartir au hub. Et on revient de son, à mon avis, je reviendrai parce que là, j'ai pas fait grand chose. Donc là, on va continuer un petit peu l'histoire. Open the map and travel to the Royal Gardens. Parce que c'est le Royal Gardens, ici. Ok. Donc là, en fait, c'est de la quête. Raid the sepulture and damn it. Par contre, ça c'est un truc qui va me saouler. Je vais virer. Merde. Je vais virer mes deux ex. Enfin, mes deux ex. Façon de parler. Les ex de. Merde. Là, c'est dans l'inventaire. Voilà. Je vais désactiver l'exoténacité. Je sais pas trop comment ils vont être les prochains ennemis, du coup, si ça va être très initié direct. Donc j'ai déjà pu me rendre à l'objectif. Surtout faire de la quête aujourd'hui. Si je pouvais aussi essayer de choper quelques légendaires, ce serait pas mal. Pour l'instant j'ai chopé deux légendaires, je crois. Ouais, deux légendaires. Allez, viens là toi. Je les ai pas vus. Oui, je sais pour le and the damned. Donc on a vu là, je vais devoir faire à peu près toutes les quêtes en refaisant un peu le mode histoire. Donc ça va être un petit peu, ça va peut-être être un peu chiant, mais bon. S'il faut se le refaire, on se le fait, hein, pas de soucis. Puis du coup, ça va me permettre peut-être aussi de refaire certaines missions où j'avais raté des petites étoiles, quoi. Buter 70 monstres sans prendre de dégâts. En fait j'avais deux ex, j'avais l'ex of time et l'ex of tenacity. Ok, c'est pour ça que je galérais un petit peu en fait. D'accord. Tuer des monstres sans prendre de dommages, ça va être chaud ça. Ouais, je suis pas très bon en général à ça. On va essayer quand même.
Donc là en plus il va en avoir un gros qui va arriver. Ça commence bien, je me suis pas fait toucher par le premier. Ici en plus en général on peut récupérer pas mal de potions. Ça me permet de faire un petit peu le plein. Voilà, voilà, je me suis fait toucher, donc c'est fini. Ah, j'ai récupéré une Morda en fait. On va essayer de l'utiliser pour voir ce que c'est, parce que c'est une toute nouvelle arme qui a été ajoutée avec cette mise à jour, on va voir ce que ça donne. Inventory. En plus là il est en train de tout bugger. Alors, je sens que cette mise à jour elle a rajouté, soit le jeu il a rajouté des bugs, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Ah ok, pas mal. Ah oh, c'est cool. Ah elle est super cool cette arme. Elle est géniale. Par contre, contre ces ennemis-là, c'est pas très efficace. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est carrément le bordel, mais ça j'adore. Là, pour débarrasser des ennemis comme ça, des foules, c'est juste génial. Tout ça et on est reparti du coup. Il va encore avoir pas mal d'ennemis ici. Termine tout ça tranquillement. Voilà. Redge Bullen tombe. Refoulé de tombe, ok. Oui, donc là en fait voilà, il y a une espèce d'intérêt qui nous permettra d'aller visiter pratiquement tous les donjons du jeu en fait, j'ai l'impression, c'est mode histoire. Après il est peut-être anecdotique. C'est-à-dire à mon avis pour ceux qui ont déjà fait le jeu, comme moi, enfin qui ont déjà fait tout le début du jeu, ça va pas forcément être le truc de ouf à faire quoi. Ouais j'y vais direct. Encore battre tous les monstres sans prendre de dégâts. Ça, j'ai du mal, ça. De toute façon, vous l'avez vu, hein.
Bon bah voilà, déjà. Mais viens là, toi, viens là. Toi, t'es mort. Ceux-là, je les aime pas du tout, ces mobs-là. Je les déteste, en fait. Je les aime pas du tout. D'ailleurs, un petit truc. Je vais juste regarder si le niveau du son OBS ne fait pas n'importe quoi. Non, ça a l'air d'être bien. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu le son du jeu. Vous, du coup, à mon avis, vous l'avez pas forcément super bien entendu. Hop, voilà, comme ça. C'est un peu le bordel, beaucoup de mobs, mais je prends pratiquement pas de dégâts, mais vraiment au début du jeu. Et en plus sans les ex, alors. Et puis comme j'ai pas mal d'armure, je prends vraiment pas de dégâts. Son radin, il faut même pas tomber d'or quoi. J'ai eu ça. Bon, je crois qu'il y a quelque chose de mieux avec que d'elle. Bon, en plus, c'est pas super rare parce que ici j'ai déjà tout fait. Donc j'ai pas trop enfin j'ai pratiquement pas forcément l'intérêt de revenir refaire les quêtes ici. Mais ma vie, plutôt que de m'ennuyer à faire tout ça. Là à mon avis il va voir le boss, puis après en fait je vais aller directement faire des missions que je n'ai pas faites, hein, des petites instances que je n'ai pas faites. Donc là je vais juste avoir le boss à mon avis, voilà, la crypte royale avec le gros boss qui tâche bien. Ah, Locke. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ah! Retourne to the hub, d'accord. Ok. Talk to Queen Katarina. Entrer dans la crypte royale. Pour cette suite, ce que je vais faire, je vais aller faire un petit peu les ménages. On va tout ranger. On range tout. Je préfère faire la souris parce que je galère à la manette sur ce jeu-là. Ah oui, d'accord. Donc même les cartes qui ont reçu tous de nouveaux dessins, parce qu'avant certaines cartes avaient un point d'interrogation, qui signifiait en fait, ben, il n'y a pas encore de dessin, en fait, tout simplement. Alors, ok, donc déjà. Les armes vertes, je n'en veux pas. J'en ai pas mal là. Voilà, mon niveau, ça sert à mon stade d'aujourd'hui, ça sert à rien de garder les armes en normal.
et en vert en fait, tout simplement. Des potions, rien à vendre. Au niveau des pouvoirs, c'est la même. Est-ce que ça continue? Non, ok. Toujours un petit peu d'argent. Déjà là, je suis à 139 vues, ça fait toujours un petit peu d'argent qui permet en plus de récupérer. Impressionnant en fait, j'ai pas tant d'armure que ça. Hein. Je n'ai vraiment pas tant d'armure que ça en fait. Ça, shotgun. Ça, c'est le mortard. En fait, c'est du moins une espèce de mortier, le mortard en fait. C'est pas mal comme arme. C'est pas mal comme arme. Alors lui, est-ce qu'il revend? Ah, par contre, le mortard, il a aucune. C'est une arme qui vous protège pas, du coup, qui ne vous ajoute pas de défense. Donc, ça peut être un peu délicat à jouer. Et avec les cartes. Qu'est-ce que c'est? 6, plus 20 en attaque de mêlée. Putain, ça peut être bien, ça, comme carte. Par contre, c'est une plus 5. Ouais, plus 100 d'armure lorsque je porte comment dire, un marteau. C'est pour ça que j'ai fait le hammer aussi, parce que du coup ça a augmenté grandement ma défense. Ah, donc à mon avis, je vais l'acheter celle-ci. Elle me coûte 10 000. Et puis de toute façon, à partir du level 16, je récupère 2 points de destinée, donc je pourrai aussi changer un petit peu ma carte. Donc ouais, celle-ci, je vais l'acheter, je pense. Parce que plus 20 en dégâts de mêlée, ça peut être vraiment bien. 25 en damage, but loss, 10% de vie. Ah, ça peut être bien aussi. The Fool. Who wants the skeleton body quand t'es nobody? N'importe quoi. Allez. Pareil, il y a des cartes de niveau 0. Je n'ai pas débloqué beaucoup non plus. Ils sont dans le stash. Voilà, juste mis ça. La rapière. Qui est pas mal en plus. Ah, donc en fait, j'ai 3 armes légendaires. Donc je joue essentiellement avec ça. Alors, on va aller faire quelques zones non. Ah tiens, celle-ci. Ça va être pas mal. À mon avis, ça va être en haut level que je le fasse. Parce qu'à mon avis, je vais pas réussir sinon. Alors, X of Time et X of Malix et XS of Pain. Ah oui. Dans mon avis, ça, je vais la faire 2 fois de suite. En plus, elle va être pas mal en XP à faire celle-ci. Donc, je vais faire l'X of Time déjà. Et j'ai 30 ennemis à tuer avec. Et à mon avis, je la referai juste après. Je la ferai juste après pour. En plus, celle-là, elle est bien, parce que je pourrais gagner de l'XP 30 facilement, parce que la première chose à la faire avec l'Ex of Time, après tuer 100 monstres, tuer 30 monstres, en perdant, enfin, en ayant 50% de vie sans utiliser de potions, et slay monster with Ex of Malice et Ex of Pain. Donc ça, merde. Je pourrais la faire assez rapidement, enfin, assez facilement, normalement, sans me prendre trop la tête. Je vais la faire à l'épée. Ah, dégage, dégage, dégage. Ah, j'ai raté. Ah putain, il me stun pendant 5 ans, quoi.
sais pas si j'ai réussi du coup. Je sais pas trop ce qu'il fallait faire avec les trucs là. Ah, j'ai utilisé une potion, j'ai pas fait ça, le bordel. Ah, là, je me suis fait avoir comme un bleu, là. On va respawn. Ok, on va ramasser un peu d'argent quand même. Et j'ai mouru. Alors est-ce que je vais la refaire? Je sais pas trop. Enfin, si, normalement je vais la refaire après. Essayer d'avoir tous les... Tous les défis, enfin, tous les défis qui rapportent de l'XP. Slay Lord Valéry. Ok. Donc ça va être juste après. On va juste finir lui là. Ok. Je sais pas il y en a combien pour cette partie là. Ça m'a donné un petit peu d'argent, c'est cool. Donc ici il y en a deux. Ok, je sais pas où est le deuxième. Lord Valéry, les gens. Et je viens de réussir à la voir. Est-ce que c'est une carte? Je sais pas ce que j'ai eu comme carte. The moon. Okay, c'est pas tout pourri. On se fait plein d'or, mais... Bah lui, on se prend pas la tête avec lui. Ok, donc on va restart. Start. Où est-ce que t'es? Vive Lex of Time. Là je vais la faire du coup sans ex. Je vais la faire sans ex du tout.
Donc c'est en essayant d'avoir 50% de vie en plus. Alors par contre, est-ce que je garde tous mes challenges? Ouais, ça c'est cool. Ah par contre, bordel, il m'a stun! On va restart. Là, j'ai fait le con. Bordel. Autant récupérer toute ma vie, sinon ça... Voilà. Par contre, au niveau des challenges, slice the coupe en moins de 40, en moins de 45 secondes. On va essayer de faire ça aussi. Ah, ok! Ok! Autant tout recommencer. On va juste essayer de se faire du coup les premiers en ayant 50% de vie ou je sais pas quoi. Parce que sinon ça va être trop dur. J'ai pas réussi, c'est quand même trop mal. Allez, dégage. Voilà, ça c'est fait. Par contre, là, je vais repartir avec les ex machin. Merde. Alors c'est ex of quoi, merde. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je sais plus ce qu'elle voulait. C'est ex of Malik et ex of Pain. Restart la zone. Voilà. Ça après, il me restera qu'une ou deux à faire. Et je serai tranquille. Enfin, je serai presque tranquille. Thank you.
Ah ok, j'ai pas vu, j'ai encore. Donc là j'ai réussi avec un peu de cul un peu. J'ai eu chaud aux fesses, mais carrément. Ouh ouais, là ça fait mal. C'est une espèce de grappin, c'est assez chaud. C'est assez chaud d'art. Alors là... J'ai tout fait, mais juste celui-là. Je le ferai une autre fois. Hop, on repart au hub. Et on va repartir sur autre chose, du coup. Hop. Celui-là, je l'ai pas fait. Oula, tu es veille avec les 5... Avec les 5 ex, on va éviter. On va carrément éviter. Je vais quand même laisser l'ex of Malice, que je sais pas si le palier de la 5ème étoile est à 1500. Je sais même pas ce que ça fait. Donc je vais laisser comme ça. Ah oui, non, ça c'est. Ce niveau-là, il est assez relou en fait. Pour le moment. J'ai l'impression de pas avoir assez, de pas être assez OP pour le faire celui-là. Alors on va prendre un peu plus simple. Slay Monster, slay 40 monstres en moins de 40 secondes. Monster vise les attaques à distance en moins de 120 secondes. Slay champion moins de 2 champions en moins de 90 secondes. Ouais, on va laisser Lex. Par contre, au niveau de l'inventaire, en deuxième arme. Ouais. J'ai pas reçu les deux derniers. Mais je peux faire celle-ci. Du coup, à un moment donné, je vais mettre un petit peu. Alors, je vais essayer plutôt. On va essayer plutôt de prendre un fusil à pompe, un shotgun. Celui-là a l'air pas trop mal. Oh
que je que j'arrivais à les buter, à les tuer plus facilement. De toute façon, je suis en train de tout foirer. On va partir sur celle-ci. Il ne m'en reste plus qu'une que je peux faire, je crois. Ah merde! On retourne au hub. On va s'arrêter là pour ce soir. Première session, ça m'a un petit peu refroidi. Enfin, putain, un petit peu refroidi. Toujours content de revenir dans le jeu, mais ça commence à être corsé. Donc je pense que je vais plutôt essayer de, avant de restreamer sur le jeu, je vais plutôt essayer de farmer un petit peu, d'essayer justement de récupérer de l'équipement, de nouvelles cartes, peut-être monter un niveau ou deux et de vous refaire un stream justement pour essayer d'optimiser un peu mieux mon perso. Parce que pour l'instant, je suis un petit peu limite niveau armes. Il va falloir que je fasse un grand ménage, un grand tri, et après on reviendra pour du gameplay de fou quoi. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite session de stream en live sur la nouvelle mage de Victor Vran. On se retrouve très bientôt, très certainement demain. Donc voilà, donc merci à vous d'être passé et à très bientôt. Salut, salut.